Oui, j'ai entendu le Québec-Canada. Wow, les 73-51 Gilles. Ouh, ça passe bien, ça passe fort. Attends, deux secondes. Je suis en train de mettre... Alors, j'ai dû baisser le... Attends, 625 USB. Ouais. J'ai dû baisser le, pour le coup le web SDR. J'avais le web SDR de d'Ottawa de lancer. Et pour le coup, avec le retour, ça m'a fait un petit peu cacophonie ici avec moi. Ça va et toi? Tiens, j'ai entendu là tout à l'heure là que tu étais prêt à changer, à sortir les roues de la Harley pour mettre les skis à la place. Hé, hey, t'es québécois, tu dois aimer l'hiver. Hachi, ben qu'est-ce que tu fais au Québec si t'aimes pas l'hiver? Hachi, il n'a pas le choix. D'accord. Ben là, moi, ici, là, j'ai quoi? Eh ben, attends, je vais aller voir. J'arrive, je regarde la température. Ah ben, ce matin, j'avais 13. Là, cet après-midi, là, bon, ici, aujourd'hui, il est 14h40. Et passé un peu... Et j'ai 15 degrés. Ouais, c'est presque l'été pour toi. Ah, j'ai entendu du monde derrière. Tu serais curieux de voir comment tu rigolerais en voyant les gens justement là sur le sud-ouest de France, comment ils sont quand il y a de la neige. C'est la panique totale, la grosse panique totale. Plus personne ne sait quoi faire, c'est la grosse panique. J'imagine, 58 ici. Surpris. Ah, c'est sûr que là, les gens, ils sont surpris là qu'on a de la neige, nous, de notre côté. Hein. Les gens sont très surpris. Et puis, on n'a pas les équipements pour, on n'a rien, nous, pour la neige. C'est facile, moi, dans la voiture, j'ai une paire de chaînes qui peut me servir aussi éventuellement dans les chemins, dans la boue, s'il y a besoin. Mais autrement, je ne les ai jamais utilisées. Hein. Elles sont toutes neuves, jamais sorties de leur emballage. Et je crois que je vais les garder comme ça jusqu'à la fin de la vie de la voiture. Quand même beaucoup de
Ah, ça, c'est sûr. Alors, par contre, moi, je remarque de notre côté, là, ici, bon, à chaque fois, à l'automne, attends, je dois baisser un petit peu le volume de retour que j'ai. Ouais, voilà. Je vois, nous, de notre côté, en principe, on a les oiseaux migrateurs qui doivent redescendre vers le sud, c'est-à-dire les grues qui passent tout l'été dans le nord de France, l'Alsace, tous ces coins-là. Et à l'automne, quand ça commence à faire un petit peu froid, à redescendre vers le sud. Et nous, là, ben, on les a toujours pas vus. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner cette année. Oui, parce que ce réchauffement jette un froid quand même. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Ah, ça. Imagine que là, pour le coup, à Noël, eh ben, tu passes Noël au balcon. Au lieu d'être emmitouflé et d'avoir 3 mètres de neige. Ouais, je sais bien. D'ailleurs, je me souviens sur le précédent cycle de Propag. Quand tu étais justement là sur Gatineau, que vous alliez là tous ensemble là, sur un lac gelé, vous avez posé la cabane carrément dessus pour à la fois aller à la pêche et faire du DX, il y avait des coups de moins 25, moins 30. Et là, cette année, ça m'étonnerait que tu les aies, hein, c'est moins 25 là de ton côté. Là, je sais pas, mais va falloir un sacré refroidissement pour que ça descende aussi bas. Quoi. Ah tiens, à propos de météo, cette semaine, on va encore se ramasser une très grosse tempête, là, ici, là, de notre côté. Ils annoncent des vents de 150 km/h dans ces eaux-là, quoi. Donc, il y en a, ils vont avoir intérêt à baisser les antennes. Surtout, là, tous ceux qui sont Sud-Bretagne, de la Charente-Maritime jusqu'à la Bretagne, là tout ça, là tous ces coins-là, ça va souffler. Mercredi, je crois. Et puis c'est vrai qu'avec des températures aussi basses comme il y a quelques années, le pylône, tu mets un coup de marteau dessus, c'est risqué là. Ça casse. Non, mais en tout cas, là, vu ce que tu as fait là, oh, bah, t'es tranquille, tu pourrais poser un imbat dessus. Quoi. On voit que c'est un pro qui a fait ça. Quoi. Moins au rendez-vous, c'est qu'on appelle une mère d'attente tout de suite.
Ah, t'as remarqué qu'on vieillit? Non, on est juste un peu moins jeune qu'hier. C'est tout. Mais dans la tête, on est toujours aussi jeune. Bon, et derrière, est-ce qu'il y a du monde? J'entends gazouiller là derrière, ça, mais c'est trop QRP de mon côté. Et au fait, hier, t'as pas modulé? Ok, attends, il y a un siffleur. Ok, bien reçu. Ouais, en avant le siffleur. Ouais, bon d'accord, c'était histoire de perturber ça. Tu as fait rentrer Émile. Je sais pas s'il m'entend d'une façon ou d'une autre. Les 73-51 000 de 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur la Gironde. Non, mais j'entends le Brésil. Je l'entends un peu, mais c'est QRP. Ah, le mobile, mobile. Bon, comme d'habitude, à gauche, les web, oui, les deux web SDR. Alors, celui qui est le plus à gauche, là, Ottawa, et l'autre qui est juste à côté à droite, Montréal-Laval. Et j'écoute sur un haut-parleur Bluetooth que voici. Bon, je l'ai branché directement au PC. Hein. Tac, voilà. Ces petits trucs-là, ils ont une bonne écoute quand même. Ok, ça marche. Oh, toi, j'ai compris où tu vas. Je suis 51, mon ami. Oh, mais c'est 51.
Là, il y a de la propague. Waouh. Il est là. Il est où? Il est là. Pas trop de vidéos. Ah ben quand même. Il y a celles de samedi qui ont été mises en ligne ce matin. Rémi en fréquence. Mais je suis pas censé l'entendre comme ça.
Salut Gilles, de ma part, au prochain passage. C'est si ton prénom. Parce qu'il y a également le comptant d'une certaine. Je crois qu'il est vers le nord. Je ne sais plus. Le je ne sais plus où il est. C'est une monobande sur toutes les. Mais il passe bien fort de mon côté pour être en directive, en direction du Québec. Ça s'ajuste automatiquement. L'ordre des éléments s'ajuste avec la fréquence. Donne le prénom, s'il vous plaît, et je vous laisse avec Gilles, le maître du réseau. Salut, bye-bye. Bye, OK. OK, Cheval. Je crois que c'est encore le rouge qui est le moins. Qui flash le moins. Alors, je vous remercie de tout ça pour vous saluer. Valérie, ça me fait plaisir d'avoir parlé. Effectivement, la step ailleurs, j'ai des cannes à pêche vides. Bah, les cannes se fréquentent. C'est un peu l'équivalent d'Ultra-D, mais c'est la compagnie américaine. En Californie, pour près de la Californie, pas en Californie, mais je pense que c'est l'État de Washington qui vend cette centaine, c'est très, très performant. J'ai l'air d'en venir, et puis, il n'y a pas beaucoup d'entrées dans le vent, étant donné que quand je m'en sers pas, les éléments sont pas très tractés au niveau du moteur, au niveau du pont. Alors, Eric, bonne fin de journée, et bon contact avec Gilles et tous les autres de la belle province. Merci. Et on se reprend au cours de la semaine. J'ai pas plus de temps, mais je voulais vous saluer tous les deux. Je saluerai Gilles également, que j'entends malheureusement pas. À Roger, Eric, pour 14 Charlie Fox 101. Année 73, bye-bye. Allez, tu reprends les menaces.
suis à Saint-Sauveur pour Gilles. Bye bye. 73. Il y a du fading. Les 73-51 à tout le monde. J'étais étonné là qu'on fasse QSY, puisque tu vois là par contre de mon côté, c'est un petit peu le caca là sur les ondes. Mais bon, j'ai bien profité de l'OM de Saint-Sauveur là sur le Québec. Il est passé comme une tonne de briques de mon côté. Les 73-51 aussi à Thierry, Eric, je sais plus. Qui est sur directive dirigée sur le Québec et qui m'arrive très fort sur la Gironde. je sais plus, je crois qu'il y a personne d'autre, je sais plus. Retour Gilles. Ah oui, c'est du 54-55 de mon côté. C'est pour ça que j'ai été surpris d'apprendre que vous êtes sur directive. Parce que vous tirez en direction du Québec, moi je suis carrément en bas à gauche et je vous entends comme si vous étiez sur vertical. c'est un petit peu surprenant. Ouais. Bien sur Ottawa. Il prend des notes et Gilles, il a raison, je devrais en faire autant et je suis fainéant. Ça arrive, double trompe pas, oui, à moi.
Merci pour le retour de micro. Ah ben j'entends tout le monde, surtout que là je suis sur trois oreilles. sur le poste au QRA, bon déjà rien que là j'entends tout le monde. Sur le web SDR de Ottawa, où là ça passe très fort aussi, très bien aussi dessus, et le web SDR de Montréal-Laval, où là ça passe un peu moins bien, mais bon ça passe quand même dessus. Hein. Donc les 73, la station qui vient d'arriver, 14 km 33-01, Rémi ou Dundee 33 pour la Gironde. Ah oui, 100% QSL, 100% QSL en direct au QRA, 100% QSL sur le web SDR d'Ottawa. Eh bien, je pensais plus près, parce que bon là, ici, c'est quand même du 53, là, ici au QRA, ça passe très bien. Hein. 54 maintenant. Merci, tout ça retourné. Retour de micro sur Gilles. Cette cacophonie. Très calme le 625. Oui, bon, d'accord. Bon, je taquine un petit peu, parce que bon, le 625, c'est quand même la fréquence monitor du groupe des talents du Québec. Donc, c'est un rendez-vous journalier ici. Là, on n'est plus sur le QSO journalier, là. Il y a quelque chose derrière, on entend à droite. Ah, un chouïa à gauche. Ouais, si, ça arrive un peu de partout, mais c'est QRP. C'est dans la boîte. Je vais vous
il passe, mais bon. Là, il me faudrait un QTH comme Gilles. Mais c'est le sud-ouest de France pour la température. Ou alors déplacer le QRA, c'est le haut de la colline. Je suis à 50 mètres d'altitude, la colline est à, je sais plus, 90 mètres d'altitude. Mais bon, ça s'est construit depuis, il n'y a plus de place. Là, il y a du Québécois qui s'est signalé derrière. La seconde qui est passée, là, de modulation, je crois reconnaître la voix. Merci pour le retour de micro. Alors, je l'ai entendu très très QRP de mon côté. Les 73-51 lui. Voilà, 14 km 33-01 Rémi, Dandy 33. Mais bon, c'était vraiment vraiment du QRP. Mais je l'ai quand même deviné derrière. Retour Gilles. Ouais, il y a le Québec. Et là. Directives qui vont être sur les Québec. C'est un peu le mois qui va y faire le tantôt.
est encore à l'écoute. 9 Charlie Fox, 11-0-1. Vincent, dans l'ensemble du groupe, il retourne au micro. Ok, ben j'ai une espèce de cacophonie, de surmodulation là de mon côté. Bon, j'ai à peu près tout compris globalement, mais c'est vrai que là sur le 615, là c'est vraiment pas évident là de mon côté. Enfin bon, bref, ça passe quand même. J'arrive à m'en sortir quand même. Hachi. Alors s'il y a d'autres stations qui sont rentrées dans le QSO, ben les 73-51E, 14 km 33-01 Rémy, sur le département de la Gironde, sur le secteur, les environs de Saint-Émilion. Thank you.
Plusieurs cuissons en même temps là. C'est le Brésil là qu'on entend derrière, je sais pas. Eh bien bon courage pour ceux qui vont écouter la vidéo. Bravo, Charlie.
Aïe aïe, on est surmodulé complètement. J'entends quelque chose derrière. Merci pour le retour de micro, ça a été très compliqué là de mon côté parce que c'est là une totale cacophonie avec je suppose le Brésil. Du coup j'ai pris par intermittence on va dire. Donc les 73-51 retournés, 14 km. Oh ben zut, j'ai oublié les chiffres. Est-ce que ce serait pas Franck des fois? Si c'est toi Franck, les 73-51 retournés. Bon, de toute façon, si c'est un autre kilomètre, tout pareil aussi, achis trois coups. Si c'est toi Franck, ok, j'ai répondu à ton message. Il m'entend de son côté. Et retour de micro sur Gilles. Ah non, c'est 0312. Mais j'ai trompé, c'est pas le même. Oh, il y a du Québec là. Ah. Ils sont deux à répondre. Voilà.
Ok, 14 km 03, je suis en train de... Ah zut, alors 14 km, c'est Franck, 14 km 03 12, ça doit être lui que tu as derrière en fréquence. Voilà, 14 km 03 12, Franck, si je ne m'abuse. Si c'est lui que tu as entendu, les 73 51, retournez à lui. Avec l'homme qui part derrière, je comprends rien. Non, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, c'est tout calme. Alors ça, c'est un gag, ça. Là, il n'y a rien. C'est tout calme. Oui, c'est le bordel. L'autre qui part derrière, il me perturbe. Thank you.
C'est un grand plaisir et peut-être à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À bientôt, les jeux de l'entendement, c'est à l'heure qui est aujourd'hui. Ça va les 26, 71, 51, tous les émissions qui sont là, la famille à la réceptive et à l'entendement. Bonne journée, bon vous et à bientôt pour de faire cette émission comme aujourd'hui. T'es un poil haut, Gilles. T'as de la chance. Ça se calme pas trop. Le QSO des étrangers derrière, ils mettent pas trop, lui. Je sais pas ce que ça donne dans le, ce que ça a donné dans l'enregistrement, mais le gag, c'est que bien souvent, on entend mieux, on comprend mieux sur la vidéo que quand on est réellement derrière la station. Ok, j'ai bien réussi à comprendre que l'indicatif. C'est une cacophonie de mon côté avec un QSO étranger. Et oui, j'ai entendu parler de WebSDR. Oui, je suis en même temps en écoute sur le WebSDR d'Ottawa, en écoute sur le WebSDR de Montréal-Laval, plus eh bien, évidemment la station là qui est devant moi. Alors, je suis en train de faire en même temps de mon côté aussi, là, comme Gilles, je suis en train de faire une vidéo. Donc, eh bien, quand on écoute la vidéo, eh bien, on s'aperçoit que sur la gauche, eh bien, on entend, on a le son là, des WebSDR, justement, là, du côté Québec-Canada. Et sur la droite, eh bien, le QRA. C'est une usine à gaz ici, là, au QRA, qui fait en même temps un petit peu de cacophonie, qui en rajoute un petit peu de cacophonie, parce que j'ai un petit retour, évidemment, par le WebSDR, et ça me fait un petit effet d'écho. Alors, des fois, je me demande si c'est pas les neurones qui s'entrechoquent et qui me créent de l'écho. Ah, chier, retour! Cacophonie. Bah c'est descendre ça. J'ai déjà un QSO ici de mon côté. Il a fréquenté occupé.
Ah zut. Ouais, la fréquence est occupée. Tout le monde est en train de lui dire. Six cinquante, j'ai entendu. Six cent cinq. Ouais, Roger pour moi sur 605. Attention, sous-entendu. J'entends quelque chose. Pourtant, il passe du côté Canada. Il passe de mon côté, il passe sur les voies BSDR, je ne sais pas si c'est Montréal ou Ottawa, sur l'un des deux, mais il passe en QRP hein, de ce côté-là. Mais il passe quand même, ouais, il doit passer, c'est bizarre que tu l'entendes pas, Gilles. Beltoise, je connais Beltoise sur la Gironde. Il est au nord, nord-ouest de Bordeaux. Le long de la Garonne, mais ça ne doit pas être le même. Ah, c'est pas le même. Et moi j'espère que tu m'envoies en gros, moi qui vous donne sur
Québec, non? Et juste ce soir, les groupes d'antis de Québec, je ne sais pas qui peut être, mais je vous montre que c'est le 5-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 
Oh, il m'a pas entendu. Je vais lui laisser un message. Allez, les 73, c'est côté à tous. Rémi, Dendy 33, 14 km, 33-01. Sud-Ouest France. Allez, je coupe. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.